Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce 11e épisode de Zelda Lost Isle sur la plateforme Zelda Classic, 11e épisode. Dans l'épisode d'avant, on avait commencé, on était allé dans la nouvelle région qui est assez dangereuse. Le mont, je sais plus comment il s'appelle. De toute façon, on va y aller tout de suite. On avait récupéré le boomerang, on avait pas mal fait les dents parce qu'il y a pas mal d'ennemis dangereux. Et que c'est vrai que niveau cœur, on est pourtant pas trop mal. Mais mine de rien, c'est que il y a les ennemis, il y a les rochers, un peu comme la montagne de la mort dans pas mal de Zelda. Donc c'est assez dangereux. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va se diriger vers le prochain donjon. Mais avant d'aller au prochain donjon, on va peut-être récupérer un quart de cœur que j'ai un peu oublié dans l'épisode d'avant. Parce que j'ai checké ma vidéo, je fais toujours, généralement je regarde mes propres vidéos pour savoir si j'oublie pas certains trucs sur mon passage. Comme ça, ça me permet de voir si, ah, il y a un truc louche ici, j'aurais peut-être dû vérifier, tiens. Et voilà, des trucs comme ça. Enfin bon. Donc du coup, on va y retourner. Avec toujours la petite musique que j'aime bien. Ah, j'aime bien ça là, franchement. La région elle est pas mal du tout, mais comme j'ai dit, elle est dangereuse. Et encore, ça va, on a la nouvelle épée. Non, je vais peut-être mettre un tout petit peu plus fort pour moi. Voilà, comme ça, ça va être bon. Pour vous, ça change rien du tout, de toute façon. Alors, hop. Ici, il n'y a pas de rocher. Alors, là où j'ai complètement oublié d'aller, il y a un quart de cœur qui se trouve. Je crois qu'il se trouve là, mais on le voit pas, là. Il se trouve là ou un peu en dessous, mais normalement, je crois qu'il se trouve au-dessus. Ah non! Voilà, il se trouve ici, voilà. Derrière les rochers. Mais on le voit pas, parce que c'est la carte. Et la dernière fois, j'ai complètement oublié, en fait. La dernière fois, en fait, ce qui se passait, c'est que... J'avais descendu cette échelle, à mon avis, mais j'avais pas été plus bas. Et je suis remonté ici, et j'étais à peu près ici, et je voyais un quart de cœur là, mais j'avais pas pris. C'est ça le truc. J'avais pas fait gaffe. C'est quand j'ai regardé ma propre vidéo, j'ai dit, ah, tiens, il y a un quart de cœur, mais j'ai pas pensé à le prendre, hein, c'est pas grave. De toute façon, on va le prendre. C'est le but, on va faire attention de pas prendre... La tornade. Je devrais d'ailleurs virer et prendre à la place, on va dire, le boomerang. Parce qu'il va être pratique. Enfin, il pourrait être pratique pour paralyser les ennemis le temps de se les faire. Comme ça. Enfin, ça les paralyse, mais pas trop longtemps non plus. Donc c'est quand même pratique. Faut pas hésiter. Même si en soi-même les centaures, enfin les linelles quoi, parce que c'est vrai, je les appelais des centaures, mais c'est plutôt des linelles à la base. Ce que Mika m'a dit d'ailleurs. J'ai toujours tendance à les appeler les centaures. Comme dans la mythologie grecque en fait. Ah. Ah, c'est pas ici qu'il faut que j'aille. Alors le quart de cœur là ici, j'ai essayé de le prendre de mon côté pour voir avec le boomerang si on pouvait, mais non, on peut pas non plus. Donc c'est vraiment plus tard, hein. Faudra se débrouiller plus tard pour le récupérer. Alors je sais pas ici si je peux farmer quelques cœurs. Non mais il y a les mains, c'est trop dangereux. De toute façon il y a les... Au pire, il y a ça, voilà. Il faudrait pas que je perde plus de cœur que j'en gagne. Un petit cœur supplémentaire. Bon, écoutez, c'est bon, on va avancer. Ah, c'est vrai que j'avance pas forcément très vite hein, dans le jeu. Je fais pourtant des vidéos assez longues, hein, mais... Voilà.
Mais disons que l'espace qu'il y a entre deux épisodes est assez long. Je devrais essayer d'en faire plus. Plus souvent. Parce que le jeu, je le connais pas. Hein. Pas complètement. Donc ce serait quand même sympa si je pouvais avancer un peu plus régulièrement. On verra comment je vais faire. Hein. Quoi qu'il en soit, d'où c'est toujours un peu plus vers le haut qu'il faut aller, il me semble. Ah ouais, c'est vers le haut en fait. Parce qu'il faut que j'aille vers le haut pour redescendre. Alors le petit cœur. Heureusement que la musique est sympa, hein, franchement. Alors je pouvais même pas le frapper en fait, parce que j'étais sur le bord comme ça, et là en fait je peux pas utiliser l'épée. Il faut que je regarde soit en haut, soit en bas, mais de face ça marche pas. Il faut avancer un peu plus pour faire de face. Un peu spécial mais bon. Ah oui, le farm de cœur, il est là, ça. Ah non, il est plus haut, c'est vrai. Mais de toute façon, je suis pratiquement full. Et là, ça va, c'est marrant parce que c'est vrai, dans l'épisode d'avant, j'arrêtais pas de failer. Mais maintenant, ça va. C'est pas pour autant que j'ai pris l'habitude de la zone, mais bon. Alors, ici. Ah non, je peux pas pousser. C'est une blague. Ah, mais non. Mais non. Il n'y a pas des rochers qui se poussent. Regardez, à gauche, ce qu'il y a. Il y a un cristal. Et ce cristal-là, on avait le même type dans le premier donjon. Donc pas besoin du nouvel item. Il suffit juste d'avoir les flèches, a priori. Ah si. Ça marche avec le nouvel item. La carte de cœur, et en plus, c'est bien. Parce que je récupère un réceptacle complet. Donc là maintenant c'est parfait en fait. C'est parfait. Du coup. Vers le haut. Ici on peut pas y aller. Mais par contre. Là ici oui c'était pour le petit farm de cœur. Éventuellement. On va en profiter un peu. Bah, je suis presque full, c'est pas la peine de me mettre complètement full. Alors, on va bien regarder la carte où il faut aller maintenant. Parce que là, a priori, maintenant, ce qu'il y a, c'est que... Il y avait une grotte en bas ici. Je pense qu'on va tous les refaire. On va bien se les refaire et juste je déplace un peu certaines fenêtres pour regarder combien de temps d'épisode je fais. Alors je disais, on va retourner plus ou moins dans les grottes qu'on a fait pour se rappeler un petit peu de celle où il faut que j'aille. Mais a priori, normalement, celle où il faut que j'aille par rapport à l'entrée de départ, c'est ici. Et je devrais plutôt y aller. Alors, si je vais là... Pour aller dans la grotte où je veux aller. Et en plus, c'est pas à côté. La première grotte où je peux aller, a priori... Bon, écoutez, c'est simple, on va aller dans la grotte principale, là où... Par rapport à l'entrée... principal de là où on rentre dans la zone, tout en haut, voilà. C'est là où on va aller parce que sinon on va perdre encore du temps et ça va pas aller. D'autant plus que ce serait bien que j'accède au prochain donjon
qu'on va peut-être pas faire dans cet épisode. Ou alors peut-être qu'on va le commencer un petit peu, on verra. On verra cela. Waouh, ils font mal. C'est ça qui est problématique. On peut vraiment perdre des cœurs très très vite. Mais là c'est bien, j'ai plus d'ennemis. C'est juste les rochers. C'est un peu relou parce que sur le coup, voilà, c'est... Enfin, relou pas vraiment, c'est... Faut assumer, on va dire, c'est la zone qui est comme ça, je veux dire, elle est dangereuse, et puis voilà, c'est... Mais c'est juste, faut faire gaffe. J'aimerais retourner où j'étais pour me remettre bien comme il faut. Parce que c'est vrai que là, c'est pas génial. Là où il y a le farm de fleurs, on va dire. Pas mal de plantes. Et à chaque fois que je me plante, c'est pas ici. Tiens, joli jeu de mots, pas mal. Lol. Ben là, je suis obligé de perdre un peu du temps, là. Je suis un peu obligé. Et bon. J'aurais voulu arriver aux farms qui se trouvent tout en haut, mais j'ai pas pu. On continue. Bon, du coup. Voilà, c'est le mont Orgus. Orgus Summit, le sommet. Alors dans la grotte, on va pouvoir récupérer des cœurs. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille en premier? De toute façon, maintenant, si je meurs, c'est pas grave, puisque... À part peut-être la main, là, ici, il va falloir faire gaffe. Si je meurs, je me retrouve dans la grotte, donc c'est... Ce n'est pas un problème. On va donc commencer par aller par la gauche. Bah c'est bon, je paralyse les mains, mais le problème c'est que... Voilà, comme ça. Faut vraiment pas hésiter à utiliser le boomerang, en fait. Contre les mains. Ils sont chiants, ces ennemis, je les aime pas. Parce que c'est ça le problème. C'est qu'il faut que j'attende à chaque fois quand ils balancent leur flamme. Ah tiens. Cool. Il y a un petit switch à débloquer. Donc j'ai bien fait d'aller par là, a priori. Et là, je vais peut-être en profiter pour récupérer pas mal de cœurs. Bah, je vais essayer de mettre full. On va essayer. Ah, ils me font quoi ces ennemis? Ben, ils me font perdre juste deux cœurs. Donc c'était un peu idiot de ma part de faire ça. Parce que moi qui veux me mettre full...
C'est pas comme dans Zelda 1 où ces ennemis-là font que vous pouvez plus utiliser l'épée pendant un bon moment. Bon, on va dire c'est bon. Parce que sinon, dans 20 ans, on est encore là. Mourez! Alors là, par contre, hein, ce qu'il nous faut. C'est la bougie. Si elle veut bien s'allumer. Ça met 3 plombs pour s'enlever, c'est ça le problème. Ah, une fée. Eh bien, t'en vas pas, la fée. Viens à moi. Alors, la question, c'est ça mène où par ici? Bah, au moins, j'ai pas les mains, c'est pas mal. Déjà un bon début. Juste ici. Alors, on va prendre le bon item d'avance. Voilà pourquoi il faut pariser la main le plus possible. C'est un peu stressant, hein. Franchement, je vous avoue que c'est stressant le fait. On sait très bien que les mains nous font perdre le bouclier si on se fait choper, donc faut faire gaffe, quoi. Alors par ici, ça mène où déjà? Ah ben, je suis retourné là ici, en fait. Là, ici, c'est là où il y a le farm de cœur. Ouais, c'est ça en fait. Bah, du coup, on va pas y aller, ça sert à rien. Mieux vaut se faire avoir par les rochers que par. Les linelles, quoi. Du moins par leur attaque de flamme. Mais par contre, putain, mais j'aime pas ces ennemis de machin qui sautent partout là, ils sont chiants. Incroyable. Je veux juste être tranquille. Voilà, c'est tout. Putain! Il y a des fois comme ça, je me fais enchaîner, je comprends pas pourquoi. Des fois, tu te fais enchaîner, tu comprends pas. Et il y a des moments comme ça, voilà. Alors, du coup, on va refaire le parcours que j'avais fait. Qu'est-ce que c'est que ce spam sur mon téléphone? 3 notifications d'un coup, énorme. Ah, vous avez sûrement entendu, hein. Et là, je viens de me faire avoir. Ah, c'est quoi ce spam-là? Non, c'est rien. Voilà, et moi, je passe par ici. Thank you.
Avec une flammèche, à la rigueur, on peut se faire avoir. Et perdre un peu de cœur pour pas perdre trop de temps. Putain, j'aimerais bien des cœurs. Voilà. Alors, c'est par la droite que j'avais été. Voilà, c'est ici. Donc, ça sert à rien. On va aller par le haut. Ah, c'est marrant ces pics qu'il y a ici, c'est comme si ça cachait quelque chose. Mais ça cache rien a priori. Ah si, c'est parfait pour récupérer des cœurs aussi. Je vais peut-être en profiter du coup. Ouais bon ça va, ça devrait aller. Non. Ah mais c'est l'autre aussi qui... Voilà. Ah, je peux rien faire quand ils sont là. Voilà. Ah, et en plus ça n'enlève même pas les flammes. Quand je fais ça. Sérieusement, t'as juste que deux ennemis qui reviennent, c'est tout. Enfin, qui repopent à l'infini, en fait. Ah non, même pas. Donc, il devait être caché. Ou alors j'ai pas fait gaffe. Fort possible. Alors ici c'est la nouvelle région. Du coup ça... Purée, ça va être dangereux, je vous le dis. J'ai le boomerang. C'est parfait. On va essayer de se mettre à l'abri si on peut. Putain, Jean me fait direct accueillir par un rocher. Là, c'est con parce que à chaque fois que je redescends, me fait à tous les coups avoir par un rocher. Et du coup, enfin pas à tous les coups, mais la plupart du temps, oui. Allez, c'est trop aléatoire. Comment voulez-vous que je sache? Et en plus, là, c'est fâcheux. Ça m'a fait descendre un cran plus bas. Ouais, c'est avec les flèches, hein. Je vais pas me gêner. Ça dégage de ma vue. Genre! Alors je disais avec les flèches. J'élimine le plus d'ennemis possible. Bon ça va, c'est juste à côté. A priori. Et là, du coup, tous les ennemis repopent, forcément. Ah.
Putain, j'ai bien fait d'utiliser les flèches, en fait. Parce que là, pour le coup, l'ennemi qui était derrière moi m'aurait fait propulser contre... Enfin, m'aurait propulsé contre la main. Donc là, c'est parfait. Ouais. Du coup... Regardez comment des fois je me fais enchaîner, c'est dingue. Je peux pas juste... Putain, j'étais full cœur, maintenant voilà comment je suis. Ça craint, quoi. Le problème, c'est que la région suivante... donc là, le problème qui se pose à moi, c'est comment on fait pour passer. Bon, on a un nouvel item, le boomerang. Et on peut le jeter de biais, en fait. Et si on se démerde bien... Voilà, on active. Bon, alors pour le coup, là, ça va être relou, hein. Voilà, je suis là. L'autre, à la rigueur, il est moins dangereux. Est-ce que je peux pas... Ouh là là... Mais à la rigueur, celui-là, ça va. Non, pas l'autre. Ouah, plein de cœur, c'est cool. Bon, où est-ce que j'atterris? C'est ça le truc. Où est-ce que j'atterris? Oh non! Faut que je fasse tout le tour. En petite ellipse. Bon, alors on se retrouve, on va faire un peu plus attention, on va dire. À la gare, la zone suivante, je devrais utiliser les bombes, carrément. Les bombes. Pour être sûr d'être tranquille. Mais du coup, il n'y a même pas l'autre, là. Enfin, le Dark Nut, là. Hein. Alors, j'ai dit... Les bombes, éventuellement... Il faut carrément quand même 4 bombes pour chaque machin. Heureusement que j'en reçois. Nouvelle région. Alors, c'est vrai que dans la partie de mon côté, j'étais plus ou moins arrivé là. Enfin, la première fois que j'ai fait le jeu. J'avais fait le donjon qu'on va faire. Ah, une grotte. C'est cool. C'est sympa. Au cas où on n'a presque plus de cœur, ça pourrait être un refuge. Mais ce qui serait bon, à mon avis, c'est de ne pas trop aller dans la grotte, pour l'instant. Et de voir où ça mène en haut. Mais ces ennemis sont pas dangereux, ça va. Enfin, pas trop.
C'est vraiment les Dark Nuts qui posent le plus de problèmes. Mais ici, c'est un bon farm de cœur, donc ça va. D'ailleurs, il y a un téléporteur en haut. Je sais pas comment on va faire pour y accéder. Mais ce serait bien d'y aller. Alors ici, on peut pas y aller. Donc, c'est parfait. Enfin, parfait. Non. Ce sera donc pour plus tard, ici. Quand on aura un autre item, à tous les coups. Donc en fait, je sens qu'on n'a pas le choix. Il y a un passage ici. Ouais, il y a un passage, mais on peut pas y aller. J'aime pas ces ennemis qui me suivent. Mais vous voyez, les Dark Nuts, en fait, ils me suivent. C'est ça le problème. C'est qu'ils sont... Voilà, je peux pas... Je peux pas rester trop sur place parce que sinon, ils me suivent. Littéralement. Regardez, je peux rien faire. Enfin, si, je peux... J'avance pas très vite. Dans la glace. Voilà. En deux coups, c'est réglé. Alors qu'avec les bombes, 4. Mais c'est plus facile avec les bombes. Bon bah du coup, j'ai pas le choix, c'est la grotte. C'est là où il faut aller. Alors, non mais c'est bon là. La main est dangereuse, vraiment. Hein. Ouh là là, c'était chaud. Alors c'est la main qui va apparaître. Non. Là, je peux pas aller en haut tout de suite. Peut-être plus tard. Bah non. Bah oui, il faudra activer le switch. C'est pas toujours super... évident avec la manette là. Ça mène nulle part ici. La main revient. Je peux même pas la toucher comme ça. Ouais, vraiment les mains, c'est avec les flèches qu'il vaut mieux faire. Ou avec le boomerang. Au choix. J'ai plus beaucoup de cœur, mais comme je suis dans une grotte, c'est pas fâcheux, on va dire. Et là, du coup, ça... Ah bah non, c'est bon. Je peux pas activer ça. C'est quoi le délire? J'ai activé déjà ou... Pourquoi j'active pas? Ah bah... Ah putain, c'est énorme. Normalement, c'est avec les flèches que ça s'active, ça, mais bon.
Alors, le switch. Voilà. Et du coup, c'est un raccourci. On peut revenir au point de départ. Je vais d'ailleurs tenter de récupérer des cœurs si je peux. Sinon, on poursuit. Ça mène où ici? Ouais. Ce serait bien d'en avoir un peu plus quand même. Un peu plus de cœur, si possible. Parce que là, encore la région n'est pas excessivement dangereuse, finalement. C'est juste ces Dark Nuts, faut faire gaffe. Parce que ces ennemis-là, ça va, finalement. Est-ce que... Oui, voilà, un petit cœur. Mais là, c'est bien parce qu'en fait... Putain, c'est relou ça, parce que je pensais pas qu'il réapparaîtrait. Là, je vais me faire avoir si jamais... Bah voilà. Et là, je vais encore me retrouver au point de départ. C'est ça qui est chiant. Ah non! Tant mieux. Et je suis où, là? Ah, je suis là. Et là, c'est où? Oh, purée! Ils me mettent carrément à... Peut-être pas à l'opposé, mais... Le problème, c'est que j'avais fait quoi de la carte? À la base, l'entrée principale, c'est ici. J'aurais dû regarder où est-ce que j'atterrissais, en fait. Parce que là, du coup... Ah bah oui, j'étais ici, en fait, voilà, j'étais là. À la base, j'étais là. J'avais pris la grotte pour me retrouver ici et je suis mort là en fait. Alors que maintenant je me retrouve là. Attends, je me retrouve. Ah non, je me retrouve ici. J'étais là, je me retrouve là. Donc en fait... Bon, en fait, c'est chiant. Parce que moi qui voulais débloquer l'accès à la zone, et ben je me retrouve un peu à faire ce que je voulais pas faire. Voilà. Ah! Mais du coup. Du coup, on va faire cette partie-là, et puis tant pis. Je sais pas où ça mène, par contre. Ah, je sais pas du tout où ça mène. Y a pas un cristal caché là, parce que. Ah si. Il était... En fait, il était là où je balance mon boomerang. J'ai pas trop compris. Oh, la musique, elle est pas mal aussi. Pas mal du tout. Est-ce que c'est une zone que j'ai fait ou non? Il semblerait que non. Là, il y a plein de grottes.
plein de passages. Il y a un autre cristal là. Et du coup, ce serait bien de faire, on sait jamais. Alors c'est quoi cette grotte? Mais avant cela... Putain, cette propulsion elle est énorme. Est-ce que je peux juste... Voilà. Ah, c'est là ici. J'ai un cristal. Comment l'activer? Je sais pas comment on l'active celui-là. Et en plus je perds des cœurs. On va éviter de mourir. Mais je vais sûrement mourir. Sauf si je récupère des cœurs. Alors ça met nous aussi. On va tout faire en fait. On va tout visiter de cette région. Et on verra après pour la suite. Allez, pète pas, voilà. J'ai tellement de passages. Voilà, c'est ce qu'il fallait pas. Ah, j'ai de la chance, on dirait. Ah mais non, c'est les noirs, hein, c'est pas... C'est les mains noires, je crois, qui nous font perdre le bouclier, pas les rouges. Je sais plus. Non, normalement, c'est les rouges. Mais là, j'ai pas perdu, a priori. Peut-être parce que j'ai su l'éliminer à temps. Bon, du coup, par le bas, ça mène où? Il y a tellement de passages, en fait, que je m'y perds littéralement. Je suis où, là? Qu'est-ce que c'est que cette zone? J'arrive même pas à reconnaître. Pourtant, c'est une zone que j'ai faite, apparemment. Mais j'étais où, à la base? Parce que là, ici, bah, je me trouve là. Ah bah non! Je suis revenu au point de départ. Gigantesque. C'est ça, le truc. Je suis revenu au point de départ, en fait. Je reconnaissais pas, mais... C'est énorme. Je suis revenu... L'entrée principale est là.
c'est l'entrée principale. Et là, c'est la grotte, la première grotte qu'il faut aller pour aller au sommet du mont Orgus. Résultat. Putain, j'hallucine en fait. Donc. Ah non, 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 non. Oh non. Et voilà, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Bah oui, bah c'est mort, hein, c'est le jeu. Comme ça. Faudra trouver un nouveau bouclier. Et ben justement, le nouveau bouclier. Parce que j'ai pas le choix maintenant. J'en avais trouvé un autre. Enfin, j'en avais vu un autre. Pour ça, faut faire gaffe. Faut vraiment faire attention. L'autre bouclier, normalement, se trouve dans cette grotte. Ah oui, forcément, ça me protège plus, hein. Et voilà. On va se reprendre en vitesse, hein, parce que là, du coup, sans le bouclier qu'il faut, c'est la misère. C'est une blague. Il y a bien quelque chose ici, il me semble. Ah ben, c'est vers le haut. Dégage toi, tu m'énerves. Voilà, je me fais enchaîner forcément. Regardez le nombre de cœurs que ça me fait perdre, en plus ces flammes. Je vais essayer de passer en force, mais c'est pas la bonne idée. Voilà, meurs. Préférable. Toi aussi. Ah bah bravo. Ah bah bravo. C'est vraiment punitif, hein. Dès que t'as pu le bouclier, c'est infernal. Putain, il est retourné par le haut. Et du coup, il va me troller. Tiens, meurs. Allez, la fée, là, voilà. Heureusement que les flèches peuvent récupérer la fée. Et voilà, le bouclier. On peut ressortir, on est tranquille. Moi, bon, je passe de force, maintenant. Et cette fois-ci, on fait gaffe. Pas question de le reperdre. Alors du coup, ce qui serait bien, c'est que je retourne là où j'étais au départ, en fait.
Ah, je prends trop de risques quand même, je trouve. Parce que du coup, ce que je devais faire, c'est une sauvegarde, vous allez me dire. Hein. Au cas où. Parce que si je meurs, enfin, si je me fais encore avoir par la main, j'ai plus de bouclier, et définitivement. Jusqu'à ce que j'en trouve encore un autre. C'est ce que je devrais faire, en fait, hein. Une sauvegarde. Alors, c'est pas par ici qu'il faut aller. C'est encore un peu plus haut. Voilà, la main, on la jarte. Alors, retour au point de départ, voilà, ici. Parce que là, à la rigueur, ils peuvent pas me toucher ici. C'est une bonne chose, en fait. C'est ce que je devrais faire, et en plus, ils me suivent. Regardez, ils me suivent. Donc, je sais pas pourquoi je fais pas ça, en fait. C'est encore plus facile. On avait dit qu'on pouvait pas y aller parce qu'on peut pas traverser ces trucs là. Voilà, par contre, je suis pas rapide dans la glace, ça mord pas du tout. Voilà. Ah, c'est pratique en fait, hein. Vraiment, oui. Le boomerang vaut mieux l'utiliser en fait. Ils font super mal. Mais grave. Regardez le nombre de cœurs que j'ai perdu. Mortel. Voilà. Le petit raccourci. Ça sera beaucoup plus facile désormais. Et du coup, ce que je peux faire, carrément, c'est retourner au village, récupérer des cœurs très facilement. Et on pourra retourner dans la zone. C'est ce qu'il vaut mieux faire en fait. Est-ce que vous avez vu un peu? Je pensais pas qu'il me ferait aussi mal. Alors pas du tout. Et voilà, c'est parfait. Donc du coup, c'est nickel. Je vais pouvoir retourner dans la zone. Donc je connais pas le nom en fait. Je sais pas du tout. Il suffit de regarder en fait. C'est indiqué. Là, par exemple, là c'est indiqué qu'on est dans une cave là, mais. Je prends pas le temps de regarder où est-ce que je me trouve en fait.
Alors, le nom de la zone, c'est Orgus Summit, bah ouais, le sommet du mont Orgus. Et là, on ne sait pas en fait si c'est de la neige, le truc, ou des cendres. C'est de la neige, puisqu'on a de la glace, censé faire froid. Parce que je pense aux cendres aussi, parce que dans les volcans, généralement, vous avez des cendres, quoi, seul truc. Alors, du coup, waouh! Mais je peux le toucher comme ça, c'est nickel. Peux pas l'avoir celui-là? Ah, c'est le troll. Il s'active pas avec le boomerang. Forcément. Donc soit c'est avec les flèches, sachant que le jeu ne tient pas compte de la hauteur, en fait, je pourrais être en bas, tirer une flèche, ça va en décocher une jusqu'au cristal. Mais c'est ce que j'aurais dû faire, en fait, à tous les coups. Ça aurait débloqué les trous. J'y ai pas pensé sur le coup. C'est pas grave. On va poursuivre, on va aller vers le haut. On était sorti de la grotte là, on va aller vers le haut en fait. Voilà, juste le temps de passer comme ça, voilà. Waouh, j'adore ce truc, voilà. Ça, j'adore, regardez. On voit le ciel en fond, c'est magnifique. Mais du coup, c'est pas par là qu'il faut aller. Alors ici, il y a sûrement un secret quelque part. Je peux pas activer. Ah bah si, je me disais aussi. Un quart de cœur. Bah j'aime bien la musique aussi. Franchement. Elle est reposante, calme. Un peu asiatique des fois. J'aime bien. Bref, donc du coup, c'est pas par là qu'il fallait aller. A priori. Ah, vas-y, troll-moi, t'as raison. Donc du coup, là où il faut aller, a priori. Oui. Je sais plus du tout où est l'accès au donjon, hein. Non. Moi, je vous le dis, ce que je devais faire, c'est une sauvegarde. Hein. Parce que si jamais je fail et que je perds mon bouclier, je reset et je recommence. Ah ouais, mais forcément, dégage-toi, voilà. Alors du coup, où est-ce qu'il faut que j'aille? Ça, c'est la bonne question. Parce que du coup, on va faire le chemin inverse. Il faut que j'aille à l'autre entrée, en fait. C'est ça le truc. L'autre entrée de la nouvelle zone. Faut que j'aille, mais là, je peux pas aller sur la carte pour montrer. C'est ça le truc. Maintenant que j'ai le boomerang, ça va. Il n'y a pas de risque majeur.
Ah. Du coup, le problème, c'est qu'il faut que je trouve une autre entrée. Il n'y avait pas une autre ici? Ah non. Ben voilà, en fait, c'est ça. On va mettre sur la carte parce qu'on voit tout aussi bien, c'est pareil. Il faut que j'aille de l'autre côté, en fait. Voilà. Mais là, je peux pas y accéder comme ça. Donc, c'est en passant par une autre entrée. Avant de mourir, voilà. Et là, voilà, je peux plus le toucher, sauf avec les flèches. Chose que je vais faire. Donc du coup, faut trouver une autre entrée, c'est ça le truc. Ah, c'est long. Voilà. Alors ici, ça mène ici. Donc c'est pas là qu'il faut aller. Le danger, c'est la main, vraiment. Donc si c'est pas par le haut qu'il faut que j'aille. C'est par le bas. A priori, parce que sinon je vois pas trop où est-ce qu'il faut que j'aille. Ça, j'ai débloqué. Laissez-moi passer, voilà. Alors là, du coup. Oh oui, la fée. Là, c'est l'entrée du Morgus. Donc, du coup, c'est par le haut. C'est vers là qu'il faut que j'aille. Ah, bah voilà, c'est ça. Et avant cela, quelques cœurs. Ah bah on avait débloqué cette zone maintenant. C'est vrai. Ça mène où ici? Bonne question. Alors je suis où, là ici? Si je suis là, ah, encore une nouvelle zone qu'on n'a pas faite ici. Bon, on va y aller du coup. Comme ça, on aura tout fait. Enfin, a priori. Waouh, putain, là les dangers, quoi, c'est énorme.
Mais allez, sérieux! Fichez-moi la paix un peu! Et par le haut, ça mène... Ouais, ben vers le passage où je veux aller. Mais sauf que je venais... Non, là, je viens de la grotte, là, ici. Je venais pas d'une autre grotte, à la base. Ah non! Suite à une mort, je m'étais retrouvé en haut, en fait. C'est ça. Ah, sérieusement. Je suis venu de retourner dans la grotte avant de mourir. Et de toute façon, au pire... J'ai même pas le temps d'explorer un max. J'ai même pas le temps. Ah bah je me retrouve là. Ellipse. J'aurais dû aller dans la grotte en fait. Du coup, on va voir où ça mène ici. Du coup, j'aurais même un peu le temps de faire une ellipse, en fait, ça aurait été rapide. Je suis là, ah oui, ok, d'accord. Ok, d'accord. En fait, je venais d'où à la base? Voilà. Je venais de la grotte ici. Je voulais aller là. Mais je voulais poursuivre un peu. Je suis mort ici. Et finalement, je me retrouve dans cette grotte ici pour poursuivre ici et rentrer dans cette grotte pour finalement me retrouver... non, même pas pour aller dans la grotte. Pour retourner là, en fait. Ça revient au même. Mais bon. Résultat. Ça sert à rien d'aller là. Ça sert à rien. Le problème, c'est la main. La rigueur, elle avance pas vite, mais bon. J'ai pas assez de cœur. Là, c'était risqué, hein, vraiment. Voilà, quelques cœurs supplémentaires, c'est cool. Je devrais pas mourir comme ça. Il y a des chances. Voilà ce que je voulais faire. C'était aller ici pour... Regardez si je peux pas faire un truc. Oui, voilà. Et ça ouvre une grotte. Et du coup, puisque ça ouvre une grotte...
Ah ouais, parce que je suis curieux maintenant de voir où est-ce que ça mène. Ah, je suis curieux. Et du coup, je sais où aller. C'est ça le truc. Je sais où aller. C'est ici. Je peux pas absolument, enfin je peux pas passer de force, j'ai pas assez de cœur pour essayer. J'ai pas assez de cœur globalement pour tenter de faire la zone, à moins que... Non, il n'y a pas de rocher. Sauf ici. Allez, des cœurs, s'il vous plaît. Je suis pas trop critique, mais bon. Voilà. La grotte. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, elle a une couleur différente, celle-là. Ok, d'accord, je vois ce que c'est. Je vois. C'est pour un fragment de Triforce supplémentaire. Ben, je reconnais un peu la gueule de la porte, là. Donc, c'est une entrée de donjon à énigme, quoi. C'est ça, le truc. Non, on va pas le faire. On va pas le faire. Moi, ce que je voulais faire là-bas, c'était... C'était accéder au prochain donjon. Ce que je vais faire, là j'ai de la chance, mais ce que je vais faire, c'est endgame. Parce que là, je peux pas me permettre de... En fait, il faut qu'il vous touche deux fois. Donc je fais endgame. Encore game, yes. Save. Parce que du coup, je vais perdre du temps à revenir au point de départ, mais au moins, je vais pas tout recommencer à zéro. Depuis le début de ma vidéo, là. Et j'ai pas envie. Et là, si je perds le bouclier, il vaut mieux que je fasse ça. J'étais sûr, en plus, que l'ennemi allait me propulser dessus. Je sais pas pourquoi j'en étais sûr. La fée. Voilà. Ici, c'était pour le passage. Pour débloquer une grotte.
Et donc, voilà, c'est ici qu'il faut que j'aille. A priori. Là, je vais mourir avant la fin dans cette zone-là. Faut plus que j'ai les autres ennemis là qui me gênent. Hop là. Non, ça paralyse pas cet ennemi. Faut pas rester en face. Voilà, c'est mieux. J'avais perdu pas mal de cœur, mais bon. Là, si je peux récupérer des cœurs ici, ça va être cool. Parce que c'est vrai que je suis un peu léger. Vers le bas, ça mène où? Combien de zones en tout? Ah! Alors, est-ce qu'on a fait ici? Oui. Ah ouais, on venait de cette grotte là-bas. Non, que non. On va pas refaire indéfiniment les mêmes trucs. C'est vrai qu'on peut s'y perdre à force. Yes! Des bombes, quelques cœurs supplémentaires. Je vais faire une petite ellipse et me mettre full. De toute façon, je regarde, je peux même pas aller plus loin en fait. Donc c'est pas là non plus qu'il faut que j'aille. Ah mais du coup, c'est ça en fait. On va aller sur la carte. Voilà. Parce que là, ça mène nulle part. En fait, non, c'était bien depuis le début. Il semble que je devais aller là et je devais tirer une flèche ou alors la baguette magique sur le cristal du haut pour enlever les trous peut-être et ça m'aurait permis d'accéder à ce parce que c'est la forme d'un donjon en fait le machin là. Évidemment que je suis con. C'était forcément ça. Et là, j'ai perdu du temps à revenir ici pour rien. Carrément. Parce que là, je vois qu'il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien du tout, ici. Qu'est-ce que j'ai en plus? Que dalle. Si j'utilise le boomerang. Il n'y a rien, de toute façon. Donc c'est le gros troll ultime. Le troll ultime. Donc du coup, c'est pas par là qu'il fallait que j'aille. Là, j'y ai cru pourtant. Hein. C'est ça le truc. Ah non. Mais j'ai fait une sauvegarde de toute façon, donc ça va.
je sais où aller. Au moins, à force de faire des va-et-vient, je sais où aller maintenant. Il n'y a plus de problème. C'est par le haut et par ici. Ah non, pas par ici. Encore un peu plus haut, c'est vrai. Là, j'espère que c'est ça, hein, parce que je vois pas où est-ce qu'il faut que j'aille autrement. Hein. C'est le grand mystère. Pas la main. Ils sont pas dangereux, mais ils font mal, ceux-là. N'oublions pas. Alors, prions pour que ce soit ça. Parce que là, pour le coup, je vois pas où est-ce que je vais aller, sinon. Pas les flèches. Là, je préfère. Je voyais pas comment faire autrement. Hein. J'aimerais juste faire le tour un peu. Question de voir ce qu'il y a au-dessus. Rien du tout, juste le ciel que je trouve magnifique. Ah, j'aime bien. Alors, ça mène où ici? Encore une autre zone. Parce que maintenant, c'est le donjon au-dessus. Mais du coup... Je vais regarder ce qu'il y a ici un peu. Un coffre, donc on va peut-être le récup. Putain, mais elle est ultra dangereuse là, cette zone. Une potion, nickel. J'ai trouvé moyen de crever avant. Voilà. Grand classique. Bon, ellipse. Voilà, j'avais été me rechercher des cœurs un peu avant de retourner ici. Et du coup, c'est vrai que ça m'intrigue un peu. J'aimerais bien quand même faire cette partie-là et faire attention aux rochers et surtout aux ennemis. Si je peux les buter rapidement. Assez rapidement, ça me permettrait au moins de perdre moins de cœur trop vite. Voilà, après il n'y a plus que les rochers. Parce que la zone est étroite en fait, c'est ça le truc. Donc, le coffre a été récup. Et il n'y a rien d'autre en fait. En vrai, c'est ça. Il n'y a rien de plus en fait. Donc c'est inutile que je reste traîner davantage ici. On va
va juste se refarmer un peu les cœurs et puis rentrer dans le donjon. Et voilà. Alors, Svalbard Temple. Alors, vous reconnaissez la musique? Oui. On a exactement la même musique dans The Minish Cap ou le Temple de l'eau. C'est exactement pareil. Bon, alors du coup, on va s'arrêter ici et dans le prochain épisode, on se fera ce donjon qui en est un, mais c'est un donjon auxiliaire en fait. Et on expliquera un petit peu. Ben, je peux l'expliquer tout de suite. Comme ça sera fait. Dans la partie de mon côté, ce qui s'était passé, c'est que j'avais fait le prochain donjon qu'on fera plus tard. J'étais rentré dedans. Ensuite, j'étais arrivé ici. Mais le problème, c'est que il y a certaines portes qui ne s'ouvraient pas à cause d'un bug. Et du coup, il semblerait qu'il faut d'abord que je fasse ce temple avant le prochain. Et normalement, si c'est bien ça, toutes les portes vont s'ouvrir, il n'y aura pas de problème. Donc c'est ça le bug, en fait. Et du coup, la musique est assez forte, faudra que je diminue. Mais du coup, oui, on va s'en rester là, c'est un bon épisode, très bon. Ces ennemis-là me provoquent juste un dégât, les rouges, là, ils font quoi? Ah, voilà, en fait, c'est comme dans Zelda, hein. Je peux plus utiliser l'épée pendant un petit moment. Dès que je me fais frapper par les rouges, voilà, je peux plus utiliser l'épée pendant un petit moment et puis voilà. Donc, on s'en reste là, c'est un bon épisode, très long comme d'habitude. Hein. Et dans le prochain épisode, bah, on se fait ce donjon qui sera assez compliqué comme d'habitude. Et on verra ce qu'on aura à la fin. Avec un peu de chance, on finira le donjon en un seul épisode. On verra. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien, à la prochaine.